La musique de Mitsu pour en fait nous mettre dans l'ambiance du temps des fêtes. Et j'ai juste à côté de moi une jeune de l'école Monseigneur Jean-Noël en cette semaine du grand partage, Maya Michael, qui a 8 ans, élève de la 3e allée à l'école Monseigneur Jean-Noël de Windsor, fait déjà preuve d'un grand sens de la générosité et du partage. Bonjour Maya. Bonjour. Alors Maya, on a parlé de toi dans le journal cet été parce que tu avais eu une initiative très originale, une idée très originale pour récolter de la nourriture pour les banques alimentaires de Windsor. Peux-tu m'expliquer ce que tu as fait? Je l'ai donné à les pauvres et on a aussi eu de l'argent, mais l'argent, on a acheté de la nourriture pour les pauvres. Et comment as-tu fait pour avoir de la nourriture? On a allé à le superstore et on a demandé les personnes si elles voulaient aider et elle nous a dit oui. Juste comme ça? Oui. Tu as demandé, ils ont dit oui, bien c'est merveilleux. Oui. Et pourquoi et comment as-tu eu cette idée? J'ai eu cette idée quand je voulais faire un lemonade stand comment on le dit en anglais. Ouais. Je voulais le faire en avant de la maison. Mais mon papa m'a dit, pourquoi est-ce que tu veux le faire en avant de la maison? Ça va juste te donner 3 ou 4 cans de moi. Et après, c'est tout. Et d'abord, on est allé à Superstore et on lui a demandé d'aller nous placer là-bas. Et j'ai aussi eu l'idée de le faire car en Michigan, j'ai vu cette personne qui regardait dans la poubelle pour la nourriture. D'abord, j'ai allé à mon papa et j'ai allé acheter un hamburger pour lui. D'abord, on lui a donné un hamburger. Il a sauvé un peu pour après. Et aussi, là-bas, le Michigan, il y a des pommes. D'abord, j'ai donné des pommes mes pommes à lui. Tu es très généreuse. Merci. Oui, et j'aimerais qu'on parle de ton stand de limonade. Comment ça s'est passé? Tu t'es installée devant le Superstore? Oui. Et tu vendais de la limonade? Oui. Et combien tu vendais ta limonade? On ne voulait pas d'argent, on voulait des cannes. Des cannes? Oui. Ah, d'accord. Et est-ce que les gens ont été très généreux? Oui. Oui, qu'est-ce qu'ils te disaient? Je veux les remercier beaucoup. Oui. Et eux, qu'est-ce qu'ils te disaient lorsqu'ils te voyaient avec ton stand de limonade? Ils étaient surpris et ils m'ont dit oui. Et des personnes ont dit quand on va revenir, car ils n'avaient pas de camp. D'abord, quand ils sont revenus, ils ont juste me donné un camp. Oh, c'est gentil. Oui. Tu devais être contente? Oui. Et pourquoi c'est important pour toi de donner et d'avoir un stand de limonade et de demander aux gens qu'ils appuient la bonne cause? C'est important pour moi car je sais que les personnes savent qu'il y a des pauvres personnes dans Windsor, mais il y a des personnes qui pensent non, il n'y a pas de pauvres personnes dans Windsor et je n'aime pas quand les personnes disent ça. Non, tu veux qu'ils soient sensibilisés, qu'ils sachent qu'il y en a des personnes qui ont vraiment besoin. Oui. Et qu'est-ce qui t'a influencé ou qu'est-ce qui te motive à faire ce genre de projet, Maya? Est-ce qu'il y a quelqu'un qui t'a déjà dit que c'est important de faire ce genre de collecte? Oui, c'est mes parents et aussi l'école a aussi fait la même chose à l'école Monseigneur Jean-Noël. On donne des camps pour les pauvres personnes dans la cité de Windsor. Et c'est la semaine justement du grand partage. Oui. Alors, qu'est-ce que vous avez fait dans ton école, Monseigneur Jean-Noël? On a tout ramené des camps et maintenant on a rendu dans notre classe juste notre classe, 271 camps. Wow! Oui. C'est merveilleux! Merci. As-tu d'autres idées, Maya, en terminant, ou des projets que tu aimerais réaliser pour la communauté, pour venir en aide aux gens qui ont besoin? Oui, on va,
on va donner des cartes pour dire d'être content pendant l'hiver. On va, car Noël, car beaucoup de personnes poussent pendant Noël et ils ne sont pas vraiment contents. Et je aussi donne des sacs pour que les personnes remplies de camp, et on va les donner à les pauvres. Et on va aller à deux places où les vieilles personnes sont et qui n'ont pas personne pour être avec. D'abord, on va danser et chanter et faire beaucoup de choses pour eux. Et aussi, en anglais, on appelle un disease le maple syrup urine disease. Et ce n'est pas une bonne chose. Quand l'enfant est né avec le, ce n'est comme il ne peut pas il ne fonctionne pas bien car ça vient puis après il ne peut pas manger les choses qu'on peut et il ne peut pas bouger beaucoup et il doit s'asseoir comme des personnes s'assoient sur le stroller quand ils sont 9 ans. Oh. Car il ne peut pas bien manger, digérer. Oui, et il ne peut pas marcher et il ne peut pas jouer comme il faut. Maya, tu appuies beaucoup de bonnes causes. J'aimerais savoir, est-ce que tu sais ce que tu vas faire quand tu vas être grande? Oui, je vais être une docteur. Ça ne me surprend pas. Bravo. Maya, je te remercie beaucoup d'être venue nous voir ce matin en studio et félicitations, tu fais du merveilleux travail. Je vous remercie. Merci encore. Alors, c'était Maya Michiel de l'école Monseigneur Jean-Noël, future docteur, future grande organisatrice, même peut-être du grand partage. Qui sait?